Combien de fois j'ai changé d'école cette année? Deux fois? Trois fois? Je sais plus. Au sommet, en rang! À chaque fois, faut tout recommencer. Dire qui on est, pourquoi on est là. Moi, j'ai plus envie. Bon, allez en classe! Bon, un petit peu d'attention. Je vous présente un nouveau camarade, Eric. Il revient vivre en France après un séjour en Afrique. Alors, je compte sur vous tous pour l'aider à découvrir notre école. Allez, va t'asseoir. Avec Yann, il va la découvrir l'école. Silence! Bien justement, puisque Gilles te le propose, assieds-toi à sa table. Gilles va retirer son cartable. Hein, Gilles? Eric, tu rempliras la fiche de renseignement dans ton cahier de correspondance. Je ferai comme d'habitude. Je laisserai une case blanche. Tu me passeras ta règle. Tu me diras comment c'est la fac. Yann, j'ai dit silence. C'était bien la jungle. Des lions, des tigres. Des lions, oui. Les tigres, ça vit pas en Afrique. C'est vrai qu'il y a des arbres tellement grands que leurs branches disparaissent dans les nuages. Fais pas gaffe, il a rien dans la tête. C'est toi qui as rien dans la tête. Même que ça s'appelle des séquoias. Tu vois trop de dessins animés. Il y a des séquoias. Il y a aussi des baobabs. Yann, je sais pas pourquoi. Je voulais pas lui mentir. Les enfants, on ne se bouscule pas! Le Guélec, combien de fois faudra-t-il qu'on te répète qu'avec le verbe être, les participes passés prennent un E au féminin? Tu le fais exprès? Rôle d'élève. À chaque fois, je dois y regarder à deux fois pour savoir si je dois dire jeune homme ou mademoiselle. Il y a des parents d'élèves que ça choque. Leurs enfants ne risquent pas grand-chose. Il est toujours tout seul dans son coin. Oh! Tu passes la nuit ici, toi? Ça m'a l'air d'un rêveur, celui-là. Oui, ne s'est pas remis du décalage horaire. Quel décalage horaire? Le petit Marlard, il m'a dit qu'il était scolarisé en Afrique avant. Il a changé plusieurs fois d'établissement pour des problèmes de discipline, mais l'Afrique, ça ne me dit rien. Pourtant, la DAS m'a donné son dossier. C'est un foot. Tu joues? Je n'ai pas assez pour le match. Yann, il joue? Laisse couler, on joue entre mecs. Alors, tu joues? Faut que je rentre. Il y a ma grand-mère qui m'attend. Yann, attends! J'ai un ami. Il habite là. En haut du phare, tout seul? Ouais, moi aussi des fois je dors là-haut. Tu vas en bateau? Il y a un passage secret pour y aller à marée basse. Un passage secret? Tu le connais? Si je te dis le chemin du phare, tu me diras comment c'est l'Afrique. D'accord. Alors à samedi sur le port. La marée basse, c'est à midi! Moi, Circle Tripou, achetez mes pescadous. Tu te crois à Marseille, Philippe? Tu vois, avec ça, tes phoques et les otaries vont se régaler. T'es prêt? Si on a faim. Si on a faim, j'aime mieux que tes gâteaux. Le Guélec, tu vas où? On va à Cordouan. Pourquoi pas sur la Lune? T'es sûr que tu veux y aller? Parce que si on descend, on pourra pas faire demi-tour. Pourquoi elle t'a appelé le Guélec? Pourquoi tu t'appelles Eric? Parce que c'est mon nom. Mais alors, moi aussi. Regarde, celle-là, elle bouge encore.
Te goinfre pas, garde-en pour tout à l'heure. Ouais, salaud, il a failli me choper. Comme ça, il peut rien te faire. Les gros, ils peuvent te couper le doigt. T'as pas dit qu'il fallait se grouiller pour pas se faire choper par la marée? Mon père disait, si tu t'endors ici, tu te fais bouffer par les crabes. Le lendemain, il n'y a plus que ton squelette. S'il voulait me faire peur, il était mal tombé. Il était facile, son chemin. Regarde pas en bas, saute. T'es sûr que c'est le bon chemin? Si t'as la trouille, on fait demi-tour. Faut pas faire peur à ta grand-mère. Il n'y a personne chez moi. Fais pas celui qui sait pas parce que je t'ai vu regarder dans mon carnet de correspondance. Moi aussi, il n'y a personne chez moi. J'en fais pas toute une histoire. Elle est bonne, hein? Elle est gelée, oui! C'est ça ton passage secret? Passe! Pour la première fois, Yann n'avait plus l'air sûr de connaître le chemin. Le passage est bouché! Faut plonger! Je sais pas nager! Hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Attends, je vais voir si on peut passer! On avait 9 chances sur 10 de ne pas revenir. Je pensais qu'il y a une seule chose. Yann, c'est une fille. On est passé! On est passé! Ah, comme ça, tu seras pas obligé de les manger. À la bouffe, les crabes! Tu connais pas la mer, tu sais pas nager, et t'as pas eu peur de te noyer. Ma mère, je sais qu'elle est toujours là. Elle me protège. Tu me crois pas? Viens. Je voulais lui montrer que ma mère existait toujours. Que c'était pas un petit ange à la noix qui protège quand ça lui chante. Arrête, tu vas tomber. Tu me fous la trouille. Comment tu t'appelles? Marie. T'as pas peur de tomber, Marie? Si tu tombes, je tombe. Tu me crois maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme vent? On peut être encore plus près du vent. On continue? On continue. Et comment vous y seriez arrivé? En suivant les bancs de sable. Vous auriez pu vous noyer 100 fois? Il y avait quelqu'un qui nous protégeait. Une chance que ce soit un petit coefficient de marée et que je vous ai vu. Quand j'étais petite, tu me disais que la mer était belle. Parce qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part. C'est des histoires, Marie. Je sais que c'est des histoires. Autrement, mon père, il aurait trouvé le phare. Bon, bah, puisque vous vouliez venir chez moi, on y va.
n'y a pas que les séquoias qui touchent les nuages. Alors, vous venez ? De là, on peut voir jusqu'au bout du monde. Vous allez finir, gardien de phare ! Descendez, faut qu'on rentre avant la nuit. Bon, allez. Mettez ça, sinon vous allez être trempé. Tiens, mets ça, toi. Mon père, il voulait un garçon. Tu leur diras pas aux autres que tu sais. Que je sais quoi. C'est la première fois que je traverse. J'ai jamais été en Afrique. J'ai froid. Où t'étais? Je t'ai cherché partout, Marie. Ce matin, je t'ai dit qu'on allait à Cordoue. Je croyais que tu allais en bateau. Est-ce que c'est moins dangereux en bateau? Écoute, Marie, faut que t'arrêtes de faire des bêtises. Mentir aux autres, c'est pas bien, mais se mentir à soi-même, c'est dangereux. Bon, file dans la voiture. Puis toi aussi, je te ramène. Merci de m'avoir appelé. J'étais morte d'inquiétude. Je m'en suis voulu de pas avoir été de garde cette nuit-là. Ça aurait changé quelque chose? J'en sais rien. Merci de les avoir ramenés. C'est là. Je veux pas que je te raccompagne, tes parents ont dû s'inquiéter. Bonne nuit. Salut. J'avais pas montré la bonne maison. Je voulais pas qu'ils sachent où j'habitais vraiment. T'as vu l'heure? T'étais encore fourré. Et comment t'es habillé? J'étais chez un copain. On a regardé un film. Quand tu vas chez des gens, tu pourrais nous prévenir. Oh là, si c'était pas en du monde de l'homme. Oui, mais à partir de maintenant, je veux que tu rentres dès la fin de l'école. Oh, c'est vrai. Oh, t'es trop gentil. On en a élevé des enfants. Et celui-là, il arrête pas de faire des conneries. Mais je t'ai déjà dit que tu pouvais te servir de l'armoire. Pourquoi tu laisses toutes tes affaires dans la valise? Va la faire si je dois repartir. Tu veux repartir? Je sais pas. C'est jamais moi qui décide de m'en aller. Je fais tout pour te faire plaisir. C'est comme si on n'existait pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça? Tu veux que je te laisse la lumière? Ils devraient être contents, ils ont économisé le dîner. Et je ne veux pas de copie blanche. Vous n'irez en récréation que quand vous aurez terminé votre travail. C'est pas bon? Ah, c'est étonnant. Surtout pour quelqu'un qui a suivi le cours de géométrie d'une oreille. Allez, file. Mais on sait tous qu'elle aime passer pour un garçon. Mais de là à lui acheter des vêtements qui la confortent dans son obsession. Vous savez, avec la mode aujourd'hui, hein, les garçons, les filles, on sait plus trop. Il n'y a pas que l'habillement. Il y a son comportement qui peut...
Lâche-moi. Yann, attends. Oh, me suis pas. Tiens, y'a la nana qui se ramène. C'est pas une nana, c'est un mec, il est bizarre. Moi je te dis que c'est une gonzesse. T'as un truc de parier? Moi je te dis que c'est un PD. Moi je parie ta montre. Bon d'accord, mais si tu paumes, tu me files ton couteau. Et moi je gagne quoi dans l'histoire? T'as déjà un couteau et une montre. On va se la choper. Ça peut te foutre. Il a parlé que t'es un PD. Mon père il a dit que t'es bizarre. En plus, c'est ce qu'il dit, le flic. Moi j'ai pas besoin de parier pour savoir que t'es aussi con que ton père. Tiens-lui les jambes. Il arrête pas de gigoter. C'est une nana. J'ai gagné les mecs. Il m'a pété le nez. T'as trop sur une fille. Vous avez pas honte? J'avais pas besoin de toi. Si je t'ai fait quelque chose, dis-le. Parce que si c'est vrai, tu me reverras plus jamais. T'as trahi, tu leur as dit. À cause de toi, maintenant, je vais dans une école de filles. C'est pas moi. Alors comment ils l'ont su? C'est pas moi. Tu m'as menti quand même. Je t'avais dit de pas me suivre. J'ai entendu les autres faire leur pari. Tu mens encore. Ils m'ont suivi qu'après. Et toi, t'étais déjà là. Je me suis accrochée au car avec le vélo. J'avais peur qu'ils t'emmerdent. T'as eu peur pour moi? Pourquoi tu veux que je te réponde? Parce que je suis un menteur. Oh la vache! T'habites là? Les gamins d'ici m'appellent la Guenon. Je voulais pas qu'ils disent la même chose. Attends, t'habites dans un zoo. C'est comme si t'habitais en Afrique. T'y as jamais été? Tu peux pas savoir. Ma mère m'en a tellement parlé. C'est comme si j'étais née là-bas. Il y a plein de choses que je peux pas savoir parce que je suis petit. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais voulu être avec toi quand je serais grand. Tu sais me dîner? T'as tout lu? Ouais. Celui-là, c'est mon préféré. C'est un requin? Ouais. Quand je n'avais pas école, mon père m'emmenait toujours pêcher avec lui. Si j'avais su, j'aurais jamais été avec toi au phare. T'inquiète, faut aller loin pour les chercher. Ils bouffent pas les touristes comme toi. Ils vont m'entendre, ses parents. Merde. Tu le connais? Ouais, c'est le père Mathieu. On se taille. Hey! Venez ici! Hey! Arrêtez-vous! Son père, c'est un gendarme! C'est pas un gendarme! C'est un garde champêtre! Oh la vache, t'as vu la tronche? Je préfère encore les requins. C'est Mike, il est gentil. Hé! Venez ici! Venez ici, je vous dis! Je veux pas aller dans une école ici. Attendez, je vous attrape! Ouvrez! Ouvrez cette porte immédiatement! Tu l'as enfermé? Bah, il est sympa, Mike. Non, mais il faut qu'il connaisse quand même. Non mais ça va pas, non?
On va pas sur l'île aux Glories sans demander l'autorisation. Garde champêtre ou pas, je m'en fous, moi. Vous avez un téléphone? Papa, ils ont crevé les pneus. Toi, rentre. Tant pis pour eux, je préviens les gendarmes. Quand la côte a été déminée. Si on a faim, on est sûr d'avoir du poisson. Tiens, lance-la. Elles sont foutues, elles ont rouillé. Oh la vache! Si on veut pas se faire repérer, il n'y a pas intérêt à pêcher avec ça. Si on veut pas qu'ils nous retrouvent, faut qu'on aille dans un autre pays. Où? À La Rochelle. On ira dans un bateau et on ira en Amérique. Ou on peut aller en Chine. Ou au Canada. Habillé comme ça. Tu veux pas qu'on essaye? Si on veut partir, faut prendre des vêtements. Ils se rendaient pas compte qu'on était vraiment dans la merde. Moi, je le savais. Mais qu'est-ce qu'on était bien tous les deux. J'étais plus tout seul. T'as pas des ciseaux? J'aime pas quand je ressemble à une fille. Y en a en bas. Mais ça craint. Ça te va bien? Prends les jumelles. Ça peut servir. Descends en bas. Petit voleur! Je savais bien que tu préparais des conneries. Tu vas voir. Je vais t'apprendre à voler chez les gens. Baisse tes yeux! Baisse tes yeux, je te dis! Arrêtez! Arrêtez! Tu baisses tes yeux! Baisse tes yeux, je te dis! Baisse tes yeux! Tu baisses tes yeux! Merdeux, là. Mais pour qui vous prenez? Eric! J'ai mal au dos. Tiens-toi sur moi. Faut que t'ailles voir un docteur. Tiens, il y a un vélo. Bonjour. Là. Vous n'auriez pas vu de gamin? J'ai vu des bombes là-bas. Là-bas? Va-t'en. Tout ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Je porte malheur. Je les connais. Faut pas essayer de se battre contre eux. On a toujours tort. Je reste avec toi. Ma tante, elle va m'adopter. Elle peut t'adopter, toi aussi? Pourquoi elle ferait ça? Pour me faire plaisir.
Les gens, ils font ça pour de l'argent. S'ils font ça pour rien, c'est que ça dure pas longtemps. Il n'y a qu'un accès. Prends l'escalier. Ouais, ils pourront pas se sauver. Des fois, c'est comme si on m'avait coupé la langue. C'est pour ça que je mens. À moi, tu m'as pas menti? Avec ceux que j'aime, je peux parler. Tu vas te calmer, oui? Viens par ici. Ah, c'est des excités, ces deux-là. C'est fini, oui. Et t'arrêtes de gigoter, toi. Bon, tu te tais. Allez. Mais c'est pas possible, ça. Viens hein. Par là. Oui. Ouais, c'est ça. Marie? Discret la grenade, on vous a entendu depuis le Cap Horn. Une grenade? Mais vous êtes inconscient ou quoi? Madame, s'il vous plaît. Le juge de la brigade des mineurs est arrivé. J'ai peur. La grenade, c'est moi. T'es à peine arrivé en voyant et tu connais déjà nos planques. Hé, te bile pas. Y'a pas de honte à protéger une fille. Asseyez-vous, je vous en prie. Assieds-toi. Sur ce type. Bien. Je viens de lire le rapport de gendarmerie. C'est une vraie épopée. C'est pas tous les jours qu'on est confronté à pareil cas. Heureusement. Ce sont des enfants, ils se sont montés la tête tout seuls. Des enfants? Nous avons quatre délits qui relèvent du droit commun. Vol, coups et blessures, détérioration de biens publics et utilisation d'armes de guerre. D'après les premiers témoignages recueillis par mes hommes, le garçon serait l'instigateur de tout ce cirque. Je vous laisse mon bureau. Merci, capitaine. Celui-là, il aurait dû être placé dans un établissement privé depuis longtemps. Vous croyez que ça va arranger les choses de l'enfermer dans une maison de correction? N'utilisez pas des termes qui ne sont plus en usage aujourd'hui. Ce sont des établissements qui sont propres à recevoir ce genre de cas. N'allez pas en plus vous occuper de l'avenir du petit Marlard? Dans votre dossier, vous avez déclaré vivre seul. Est-ce toujours le cas? C'est important. Le concubinage n'est pas reconnu officiellement par la loi pour obtenir la garde d'un enfant, mais c'est un élément qui est soumis à mon appréciation. C'est-à-dire que... Ah oui, on vit ensemble. Maritalement? Oui. Vous en avez fait la déclaration en mairie? Ça me semblait pas utile, mais si c'est nécessaire... Bien. Vous semblez concerné par son avenir. En conséquence, j'accepte que Marie reste à Royan, à Regina Passy, avec le statut de demi-pensionnaire. Merci, monsieur le juge. Madame, monsieur, j'espère qu'à l'avenir, je n'aurai pas envisagé d'autres solutions. Merci. Vous me ferez venir le petit Marlard, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il s'en aille. Je vais le réfléchir avant, ma petite. Allez, viens, Marie. C'est ton dernier mot. Tu veux pas venir? Monsieur le juge, il refuse de venir vous voir. Vous voulez que je demande à un gendarme? Non. S'il ne veut pas venir, je vais y aller. Seul. Alors, tu veux pas me parler? Pourtant, on ne se connaît pas. J'ai pas envie qu'on se connaisse. Mais là, t'as poussé le bouchon un peu loin. Vol de vélo, monsieur Pertuis avec une fracture de la hanche. Un de tes copains qui a le nez cassé. C'est pas un copain. On s'est compris. Le reste, j'ai pas besoin de te le raconter. Il y a une raison précise à tout ça. Bon, tu n'aimais pas ta dernière famille, d'accord. Mais ceux d'avant, ils avaient plusieurs enfants. Tu faisais presque partie de la famille. Ils disent toujours ça. Mais dès qu'il y a un problème, c'est notre faute. Marie me dit qu'on t'a frappé, c'est vrai? Vu l'énergie qu'il a fallu pour vous attraper, il a pas dû te faire trop mal. Vous êtes tous pareils. C'est pas très flatteur, ça. Moi, je crois que tous les enfants sont différents.
Dis, à force de changer de famille d'accueil, t'auras bientôt visité toute la France? J'aime voyager. Ah, je croyais que tu avais des bonnes raisons de rester à Royan. Jouez pas les sympas. Je sais ce que vous allez dire. Ma nourrice est géniale, celle d'avant aussi. Je vais devenir un voyou et je finirai en prison. Raisonnement sensé. Et la suite? Vous allez me mettre en pension. Bien deviné. Je ne l'ai pas deviné. C'est la vieille chouette qui croit faire peur qui me l'a dit. C'est pas elle qui l'a décidé. C'est moi. T'as une autre solution? Bah tu vois, toi aussi tu pourrais être juge. Elle est juste venue lui dire au revoir. Il faut qu'elle se dépêche, te battra bientôt. Merci. Moi, je le connais par cœur. Aussi. Tiens, salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais au Verdon. Tu bois un café? Bah je peux pas, vers le petit. Bah vas-y, je t'en ai commandé un au bar. Je vais m'en occuper du gamin. Franchement, si tu crois que tu vas pas venir... Hé, il va pas se sauver, où veux-tu qu'il aille? Va pas tomber. Hein. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est ça ce que tu penses, non? Moi, je serais triste. Marie, elle sera encore plus triste. Les gens qu'on aime, on les retrouve forcément un jour. Je reviendrai, Marie. C'est le numéro du cabinet du juge. Il a dit qu'au moindre problème, tu pouvais l'appeler. T'es-tu comme une mule, hein?